Je vous propose qu'on parle du 1er mai. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le 1er mai? Je vois la fête du muguet. Du muguet. On achète les muguets dans les gens qui travaillent dans le cadeau. Si, si, ils donnent les muguets. T'achètes pour ta copine, pour ton copain, les patrons les achètent pour les sociétés 4 ou 5, 6 muguets pour pour le loyer. Pourquoi? J'en sais rien, moi. C'est ah, t'es sérieux, tu ne travailles pas. Tu n'es pas travaillé chez Monsieur Nouvelle à Strasbourg-Saint-Denis? Elle n'achète pas ton patron les muguets, hein? Non, jamais l'achète. Mais pourquoi mon patron le m'achetait quand je travaillais au marché, hein? Vous aviez un patron qui vous achetait le muguet? Ben oui, je travaillais au marché. Elle ramène beaucoup de muguets. Elle vend et après elle donne à son employé. Voilà. Quand j'avais mon mari avec moi, il me ramenait le muguet. Est-ce que vous avez gardé cette tradition du muguet? Ben, les garçons, ils le ramènent. Garçons, vous voulez dire vos enfants? Oui, moi, ils m'ont ramené, le muguet. Et vous savez d'où ça vient, cette tradition d'offrir du muguet? Non. Le 1er mai? Ça vient pas du Moyen-Âge? C'est le roi Charles IX. Hein? Le roi Charles IX. 1561. Ben oui. On lui avait offert un brin de muguet et du coup il a décidé d'offrir à toutes les dames de la cour un brin de muguet. Et c'est comme ça que la tradition est née. Le muguet était un porte-bonheur. Ouais. Ils disent que ça porte bonheur. Tu dis ça porte bonheur. Ouais. Est-ce que tu sais qu'est-ce que t'as oui, fait oui, là, oui, le oui, muguet oui. pour toi oui. ça, qu'est-ce que là pour toi? Quand ils conduisent, ça porte bonheur. Mais ils disent comme ça. Ils disent, ils disent comme ça. Ouais. Mais c'est pas. Oui, ça porte bonheur. Ça, moi, je le pas, vois comme non, ça. Non, je ne croyais pas. Parce que quand tu te dis ça porte bonheur, il faut savoir. Le bonheur, c'est quoi? Est-ce qu'elle t'a donné là, les muguets? Ah, tous les ans, j'ai un brin de muguet chez moi. Tous les ans. C'est la tradition. En fait. C'est la tradition. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ils disent ça porte bonheur. Moi, je le prends comme ça.